Voici ce qu'il y a dans le bunker secret sur Fortnite. Depuis le début de la saison, nous avons un bunker fermé en dessous du grand glacier. Et dans ce bunker, nous entendons clairement du bruit qui ressemble à quelqu'un qui frappe sur quelque chose. De plus, à l'entrée de ce bunker, nous pouvons apercevoir des traces de griffes. Alors selon la rumeur, il s'agirait d'une nouvelle version des gants de Wolverine qui devrait arriver prochainement sur Fortnite. Donc de ce fait, à l'intérieur, il devrait y avoir Wolverine qui y serait renfermé. En plus de ça, Fortnite a travaillé sur une nouvelle version du skin, ce qui renforce grandement cette théorie. De plus, grâce au liqueur, nous avons la possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, regardez par vous-même, vous allez y voir une sorte de laboratoire secret avec deux tubes cylindriques qui indiquerait justement que quelqu'un serait en train de faire des expériences scientifiques sur deux personnages. Donc le premier personnage serait Wolverine, et selon la rumeur, le deuxième serait Magneto. Par contre, dans un des tubes, on voit clairement une peau de banane. Donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment Magneto qui se trouve à l'intérieur du deuxième tube, ou alors une nouvelle version du skin banane? Après, j'en sais pas plus, c'est peut-être juste un clin d'œil comme ça, ou alors peut-être que c'est le skin banane qui a cassé les hublots pour libérer Wolverine et Magneto. Mais la question, c'est pourquoi il aurait fait ça? Du coup, personnellement, je pense plus que c'est les personnages qui étaient à l'intérieur des hublots qui ont réussi à les casser pour s'en libérer. Alors, dernière information, apparemment, ce bunker s'ouvrira dans plus ou moins 9 jours, en même temps que l'arrivée du skin Magneto sur Fortnite. Ce qui renforcerait aussi la théorie que ce soit Magneto et Wolverine qui sont renfermés à l'intérieur de ce bunker. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet. Si vous avez des avis ou d'autres théories, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code créateur.